rien qui se peut me poser. Faut que j'attache ma ceinture. Atterrissage imminent. Ma, c'est qui ce bruit là? D'abord, bonjour. Il s'agit ni plus ni moins ni plus de Théodule. Bonjour Théodule. Ah, ben Théodule. Le tout premier évêque du Valais. Moi, c'est le grand-papa de Jean-Marie Lovet. M'appelle Pontjartel. Attends, j'explique. M'appelle Pierre Gay, tu vois. Ah, tu es de parenté avec les jolies chanteuses là, à la télévision, là, non? Ah oui. Ça se voit pas? J'ai un air de famille. Donc, je m'appelle Pierre Gay. Et Pierre Gay, ça va? Mais Gay, Pierre, c'est Gay Pierre, tout de suite? Oui. Eh bien, on va aller, justement. Les premiers vestiges de l'homme datent d'il y a 30 000 ans. C'était l'époque du paléo. Je me trouve actuellement dans une petite bourgade qu'ils appellent Bourgue Saint-Pierre. Habitée par des montagnards ignorants et catholiques fanatiques, la troupe poursuit sa longue marche en direction du sommet du classement. Oh oui, t'as qu'à commencer comme ça. Je sais pas ce qui nous attend par le froid et la neige, mais comme dirait l'autre, ils l'ont fait parce qu'ils savaient pas que c'était impossible. Une ultime question, monsieur juriste. Quel effet cela vous fait de savoir que vous êtes les derniers condamnés à mort en Valais? Ben, je savais pas. C'est alors que... tape à la gueule sur les couilles. Tape à la gueule. Tape sur les couilles pour faire taire les...